Bonjour et bienvenue sur une fonction ou un outil d'Excel en 3 minutes ou moins. Au menu du jour, on s'intéresse à la fonction et, la fonction et qui va répondre soit vrai, soit faux, si et seulement si toutes les conditions qu'on lui demande sont vérifiées. Alors, ici, dans notre cas, on voudrait vérifier que nos commerciaux font bien leur travail et donc on exige d'eux qu'ils ramènent 250 000 euros par an et qu'il ne régresse pas, et donc qu'il y ait une variation supérieure à zéro. Et du coup, on veut vérifier ces deux conditions en même temps, on va dire égal et, on ouvre la parenthèse, est-ce que le CA est supérieur à 250, 1, 2, 3, et est-ce que la variation est supérieure à zéro? Si l'une des deux conditions n'est pas vérifiée, ça va répondre faux. Si les deux ne sont pas vérifiées, ça va répondre faux. Mais si tout est vérifié, ça va répondre vrai. Une fois que c'est fait, on peut tirer vers le bas et voir qu'au final, peut-être que la barre était trop haute parce qu'il n'y a que le commercial 8 qui a réussi à avancer tout en ayant plus de 250 000. Voilà donc pour la fonction et. On se retrouve dans une autre vidéo pour une autre fonction ou un autre outil d'Excel.